Qu'est-ce que tu as dit? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu viens de dire sol. Madame Benson, vous feriez mieux de rentrer à la maison. Pourquoi, Ray? Je vous assure que tout va bien. En plus, je n'ai même pas répondu à la question que m'a posée mon père. Madame Benson... Je voulais parler du soleil, parce qu'il me gêne beaucoup. Parce qu'il me fait mal aux yeux. La luminosité est tellement forte dans ce jardin. Là, c'est mieux. Quand j'ai le soleil droit dans le visage, ça me donne la migraine. Je ne suis pas habituée. C'est aussi parce que tu passes toutes tes journées à l'intérieur. Tu es blanche comme un linge. Tu devrais sortir un peu plus souvent. Oui, tu as raison, papa. C'est une très bonne idée. Je crois que c'est bien la toute première fois que tu me donnes raison. Tu te sens bien? Tu n'as pas de fièvre? Je me sens parfaitement bien. Ray, rentrez à la maison. Mais attendez... C'est un ordre, Ray. Bon. Alors maintenant que nous sommes entre nous, et pour ne pas nous ennuyer, on pourrait faire une petite partie de mini-golf, non? Non, non, merci. C'est très gentil, mais pas cette fois. Il faut que je rentre pour étudier. Mais merci en tout cas. Avec plaisir. Si vous permettez. Bon, maintenant que nous sommes seuls, tu peux me dire ce qui se passe? Tout le monde était en train de te chercher, personne ne savait où tu étais. Ray était complètement désespéré de ne pas te trouver. J'ai l'impression que c'est un homme qui se stresse énormément. Ne fais pas semblant de t'intéresser à moi maintenant, tu t'es toujours moqué de savoir comment j'allais. Ne sois pas si rancunière. À certains moments, on peut dire que j'ai été présent. Et puis à d'autres moments, eh bien, disons un peu moins, c'est tout. C'est la vie qui veut ça. Comme on dit, dans la vie, ça va, ça vient. Tu n'as jamais été là lorsque j'en ai eu besoin. Aujourd'hui, je vis l'instant présent. Aujourd'hui, je suis là avec toi. Alors, tu peux me dire ce qui se passe? C'est mon portable, où tu l'as trouvé? Eh ben, je l'ai trouvé. En fait, c'est un truc super rigolo. Mais je crois que je vais laisser Yam raconter parce que c'est elle qui raconte les histoires les plus drôles. Ah ouais? Moi? Oui, c'est toi. Quoi? Ce qui s'est passé, c'est que Jim a trouvé ton téléphone portable caché sous une étagère à la cafétéria. Oui. Ah. Oui, elle l'a trouvé là. Et c'est ça que vous trouvez drôle, je comprends rien. Ben si, quand même, trouver un portable sous une étagère, oui, c'est pas commun. Rare sous une étagère. Oui. Si vous le dites, merci en tout cas, à toutes les deux. C'est bizarre, je n'ai ni message, ni appel manqué. Tu peux me laisser une seconde avec Jim? Non, 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 Yam, reste là, s'il te plaît, reste parce que... Si... Non, allez, en fait... s'il te plaît, Yam, tu peux me laisser une seconde avec elle? Non, 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 Yam, reste, on va pas. Retrouve Soy Luna sur Disney Channel.